Il envoie un long ballon sur Monteil. Monteil qui ne peut pas récupérer le ballon. Mais Capou, oh là, 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 la frappe juste à côté. La frappe juste à côté du but de Capou. Ça va être tiré par Atik. Atik direct juste au-dessus, la barre transversale. Il vit le ballon, mais c'est Jonathan Mexique qui trouve sur le côté droit Manaï avec son pied droit qui trouve Mansour. Mansour ne peut pas être un peu plus dangereux. Seydi qui avance et qui trouve Jonathan Mexique. Oh là là, Jonathan Mexique, petit festival de Jonathan Mexique qui va frapper. Une frappe avec une parade de Cassara. Une très très belle frappe de Jonathan Mexique qui nous a fait un petit festival. Jonathan Mexique, le joueur formé à l'AS Monaco. S'en va percuter et qui trouve côté droit Agounou. Agounou qui va chercher au point de pénalty avec Capou. Dommage, une frappe en rupture mais qui passe au-dessus de la cage de Mandrea. Les 22 acteurs sont renvoyés au vestiaire par Monsieur Lega sur ce score de 0-0 qui temporise derrière en remettant avec un ballon la cour avec Monteil et une super parade d'Anthony Mandrea qui à bout portant réussit à dévier le ballon. C'est la première occasion cadrée de ce match avec une super parade d'Anthony Mandrea qui a été bien vigilant. Un débordement côté droit avec Solvet, Nigel qui n'a pas pu, Nigel Solvet qui n'a pas pu, Magliotti, oh, et une frappe sans danger de Doumbia qui trouve les gants sans problème de Cassara. Cassara jouait la contre-attaque avec Solvet côté droit là-bas avec Silla qui va tenter la frappe qui passe à côté de but de Cassara, encore une nouvelle occasion côté Scholter qui va maintenant mettre à Ngobi qui se retrouve tout seul mais Magliotti une frappe en reprise de volée et le ballon a été contré et c'est la fin du match sur ce score de 0-0.